Et on finit par cette petite pochette qui a l'air d'être assez bien remplie. Hop. Alors, est-ce que je peux... Alors, collège et pensionnat d'Estaing-Puy. Vous avez tout le... Et c'est collé en plus, putain, les malades. Fiches administratives et tout. Vous avez plein d'artefacts ici. Je vais essayer d'y aller pas à pas, mais regardez la complexité du matos. Ici, on a quoi? On a les tickets de cantine pour le lundi, mercredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça, je sais même pas si c'est un tour, tu vois, c'est bon, c'est fourni. On a ici la carte d'étudiant, photo étudiant, je suis le pensionnaire 1080. On a le petit tampon, titulaire, professeur, pardon, Christian Schellmann. Incroyable. Totem, un bijou. Là, vous avez quoi? Fiche administrative de l'élève. Putain, il y a même les tâches de café. Putain, les mecs sont malades. Comité de vigilance du collège, un bijou. Alors, je pense qu'il y a un délire à compléter tout ça parce que c'est tellement immersif que tu as envie de faire partie de ce collège, tu as envie de faire partie du truc. Donc ça, c'est ouf. Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit stickers qui est de toute beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, je vais retirer. Est-ce que je peux retirer ça? Hop. Donc, O'Grady, Cavana. Alors, je sais pas hein, si... Je découvre en même temps que vous. Il y a des espèces de marque-pages. Je sais pas ce que c'est, avec des espèces de formes et des chiffres. Ça a l'air très intéressant. Je vais ranger ça. J'ai pas envie de casser. J'ai vraiment pas envie de casser le truc. Qu'est-ce qu'on a là? Document de voyage. Ah. Et à l'intérieur... Putain, t'as même le ticket de train pour aller guide du rail, avec ou sans, la clé d'un voyage réussi. Oula, ça sent le tour, ça. Ça sent le tour. Hop. Alors, je sais pas si déchiré, c'est volontaire ou pas, mais c'est hyper... c'est incroyable. Tu te demandes ce qui est fait vraiment par volonté des créateurs ou qui est de l'usure ou des choses qui peuvent être abîmées. C'est génial. Moi, je suis fan de ce type-là de magie, enfin de protocole du diable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. On a une petite feuille avec un protocole du diable. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Je veux même pas, je vais le dire 15 fois dans cette vidéo, mais imaginez le temps qu'ils ont passé à élaborer déjà tout ça, et surtout à le fabriquer, quoi, parce qu'il n'y a aucun imprimeur qui... Enfin, tout est assemblé à la main, j'imagine, à la fin. Encore un protocole du diable, ça ressemble. Correspondance dangereuse, manipulée avec précaution. Putain, il y a même des... Franchement, même les petits stickers comme ça, ils sont fous furieux, les mecs. Ils sont incroyables. Là, on a une carte de tarot qui s'appelle le pendu. Là, on a le tabulation hasardeuse pour envoûtement. Oh, putain, regarde. Incroyable, il y a un cachet de cire. Oh, putain. Ça s'ouvre? Ouais, ça s'ouvre. À l'intérieur, on a quoi? On a des cartes postales, des vieilles cartes postales avec des photos du collège, du pensionnat d'Estaing-Puy. Oh, c'est incroyable. Carte postale, infirmière, parloir, cuisine. Putain, je sais même pas à quoi ça sert, mais je trouve ça génial. Donc là, c'est incroyable. Il y a même la petite enveloppe avec le cachet de cire. Incroyable. Des cours d'écriture, modèle de lettres à recopier. Bon. C'est encore une fois, on ne sait pas où s'arrête le vrai du faux, quoi. Là, on a un petit carnet, j'imagine, pour écrire des choses. Collège. Hop. Bon point. C'est des enveloppes? Oh, putain. Bon point, bon point, bon point. Et dans les enveloppes, il y a aussi des... Ah, il y a des cartes de tarot aussi. Enfin, ça ressemble à des cartes de tarot. C'est incroyable. Ça va être le mot de cette vidéo. Hein. C'est incroyable. Je pense que ce sera le titre de la vidéo. La vidéo incroyable. Ça sent un peu le brûlé. J'espère que mon DJI n'est pas en train de rendre l'âme. Vous avez vu que ça a coupé tout à l'heure parce que ça chauffe pas mal au niveau du moteur. Ça sent le brûlé. Écoutez, on va voir si le DJI prend feu. Au moins, je l'aurai en vidéo et je pourrai leur envoyer... Un petit mot, ouais, ça va. Le DJI sur lequel mon iPhone est. Alors, le plus dur, c'est de remettre les choses. Tu vois, je sais même pas comment ils les ont mises parce que j'ai du mal à les remettre. Déplacez-vous et de retourner. Alors là, il y a tout un truc avec... je sais même pas ce que c'est, mais c'est magnifique. Encore une fois, c'est un espèce d'artefact. Hop. Ne pas invoquer sans la présence d'un professeur compétent. Ordonnance de Lucifer. C'est incroyable, le papier, il est super épais.
Encore une fois, je m'extasie devant la forme et le fond sera l'objet d'une deuxième vidéo, comme je l'ai dit au tout début, parce que c'est vrai que je ne veux... Oula, j'ai pas envie de tout casser. J'ai envie de séparer les deux... J'ai envie de séparer les deux moments. Là, on a des espèces de petits jetons avec des espèces d'anges. Des bons points dans le petit sachet. Ah, le petit sachet zip. Là, vous auriez pu me faire parce que vous mettez des petits trucs de soie et tout. Un petit sachet zip, ça fait pas très... Le mec casse-couille, tu sais. Non, on va pas leur tenir rigueur. Là, on a des bons points. Alors moi, j'avais passé à l'école, j'avais des images. Mais j'imagine que c'est exactement le même concept. 7 de 20 bons points plus quelques-uns de réserve. Putain, c'est génial. Ah là 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 là, le boulot de malade, putain. Et le truc, c'est que, Antoine, quand est-ce que tu dors? Parce que ça, c'est quelque chose pour moi qui reste un mystère. Quand est-ce que tu dors? Parce que là, c'est fou furieux. On a un jeu de cartes, Collège Destin Puits. Hop. Hop. Alors, c'est un jeu de cartes avec des symboles... il y a des symboles chimiques. Oxygène, sodium, etc., phosphore... Jour, année, citron vert, sable, vert, avec des éléments, des termes comme année, mois, jour, semaine, savon, heure, bain d'eau, creuset, quintessence. Putain, c'est... T'as envie de savoir à quoi ça sert. Est-ce que... Ah oui, il y a une petite, petite subtilité sur ce jeu, mais je pense que je l'apprendrai au cours de l'année. L'oracle de Cassandre. Ça existe déjà, ça, non? C'est pas un tour qui existe, l'oracle de Cassandre? Je ne sais plus. En réalité, ne compte que 7 cartes de cœur. Ah, ça ressemble à une version de Shuffleboard de Aronson. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe? Me trompe-je? On dirait une version de Shuffleboard. Ne pas invoquer sans la présence d'un professeur compétent. Ah, à labyrinthe. Les 9 portes du royaume des ombres. Oh putain, en plus ça fait flipper de ouf. Incroyable. Incroyable. Des petites cartes là. Incroyable. Il y a tellement de choses, la vidéo va durer à peu près 50 heures. Une petite enveloppe avec à l'intérieur intestin, estomac, foie, rein, cerveau, poumon, cœur. Avec des petits, sûrement, encore une fois, utilisés pour un tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le directeur, permettez-moi de solliciter votre bienveillance. Ah, c'est ma lettre de motivation, ça. J'apprécie le collège Destin Puits. Postulant 1089. Ah bah c'est moi, ça. Convocation... Conditions d'admission, vous avez certainement déjà entendu parler, blablabla. C'est incroyable parce qu'on dirait vraiment que ça a vécu, quoi. C'est la lettre de Poudlard, c'est exactement la lettre de Poudlard. Au nom du corps professoral du Collège des Saints-Puy et de toute l'équipe, vous avez brillamment réussi. Bon, ça, ça ne m'étonne pas parce que je suis exceptionnel. Mais bon, c'est sympa de le dire, pas du tout. Le livre des mutations, qu'est-ce? Il y a plein de petits contenants avec du contenu à chaque fois, que ce soit des cartes. Alors, c'est très carton, hein. Il n'y a pas trop d'artefacts... que ce soit en métal ou que ce soit en plastique ou en bois. Donc c'est très carton de toute façon, mais au final, c'est la diversité des accessoires et la pluralité des formes et des textures, que ce soit sur le papier de soie, que ce soit sur autre, ça fait vraiment la diff. Et bravo encore une fois à toute l'équipe qui a réalisé ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah putain, il y a un plan! Mais non, les mecs sont fous, putain. Il y a le plan Destin Puits, quoi. Jardin, cours de l'école, parloir... Ah, ça me rappelle les cartes postales. Alors, il y a peut-être sûrement un truc à faire avec les cartes postales, là. Incroyable. Incroyable. Hop, on va remettre ça à l'intérieur. Vraiment, encore une fois, hein, je vais dire le mot incroyable, mais le boulot qui a été fourni pour réaliser tout ça, je ne veux même pas l'imaginer. Ici, on a quoi? On a une espèce de petite rubrique, une petite... Il était une fois à la limite. Ah oui, donc les O'Grady's. Là, vous avez la même chose sans le texte au départ. Et ça, ça va être une photo. Putain, mais même la photo, elle fait flipper, quoi. Alors, j'espère que c'est pas une photo de, genre, Antoine Salambier quand il était jeune et tout, parce que sinon, je vais me prendre des scuds, mais la photo, l'ambiance, c'est très creepy. On a quelque chose ici, décembre avec des mois de l'année. Ah, oh, génial, des pages d'écriture, quoi. Ça fait vraiment penser à un vieux bouquin d'enfant, tu sais, quand t'écrivais à la plume. Ah, oh, c'est ouf. C'est ouf. C'est Poudlard à la française, quoi. Incroyable. Alors ça, je sais même pas, tu vois, si c'est pour un tour, mais je crois l'avoir vu dans le bouquin des secrets. Donc peut-être c'est pour un tour. Et là, on a quoi? Ah oui, je peux pas forcément vous montrer ça, parce que c'est une... C'est comment se fabriquer une enveloppe à change. Et c'est très bien fait, et du coup, vous avez, j'imagine, ça c'est l'enveloppe à change sous forme roulée. Ouais, c'est ça. Enveloppe à change, et du coup, il vous explique comment la fabriquer. Donc il y a aussi de la fabrication de gimmick. Merci d'avoir pensé à moi, Antoine. Vraiment très cool.
C'est incroyable. Je sais pas. J'ai pas les mots. C'est assez incroyable. Donc, on va ranger tout ça pour finir cette vidéo qui est un peu longue. J'en suis désolé, mais j'espère qu'elle vous aura autant plu que moi. J'ai pris un plaisir fou à déballer tout ça parce que voir des gens qui s'impliquent autant dans la magie, c'est incroyable et ça fait vraiment du bien. Donc, voilà. C'était le unboxing de collège. J'espère pouvoir vous faire une vidéo dans quelques semaines, voire quelques mois sur le reste, le contenu, est-ce que c'est à la hauteur de la forme? Bref, assez, j'ai plus les mots, je suis un peu perdu comme ça, il y a tellement de choses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, tout est dans la description, Instagram, YouTube, Facebook, les produits à vendre, etc. etc. Et nous, on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous!